Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue à votre émission Porteuse de Vie. Bonsoir, Maman Gla. Bonsoir, Amatou. Comment tu vas? Je vais très bien. Et la semaine? La semaine s'est très bien passée, surtout qu'elle a été cette occasion de célébrer la résurrection du Seigneur, la semaine de la Pâque. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Bonsoir, Maman Yao. Bonsoir, chère sœur. Comment vous allez? Je vais bien. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur notre plateau de Porteuse de Vie. Partagez ce plaisir. Maman Bonnie, comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Voici, le décor est planté maintenant et nous allons céder la place à notre consultante pour nous annoncer le thème de ce jour. Chers frères, chères sœurs, téléspectateurs, shalom. C'est toujours le même bonheur de vous retrouver. Et lorsque nous nous retrouvons, vous savez que nous parlons de famille, nous parlons de foyer, nous parlons de couple et nous parlons aussi des enfants. Puisque les enfants, c'est cette grande bénédiction que Dieu accorde à la famille après avoir uni père et mère, mari et femme. Mais c'est une responsabilité de réussir leur éducation. Et c'est pourquoi le thème que nous vous proposons aujourd'hui, c'est parents, comment être des modèles pour nos enfants? Parents, comment être des modèles pour nos enfants? C'est un important thème de ce jour, vu que parfois, quand les enfants même grandissent, on se dit, mais ça, c'est pas l'enfant de sa mère ou l'enfant de son père. Tellement le comportement ou l'attitude de l'enfant peut être différent de ce que c'est que la vie du parent. Maman Gla, moi, je veux vous dire, vu que vous nous donnez ce merveilleux thème-là, Oui, oui. Dans quel environnement, si on veut que l'enfant soit notre modèle, comment est-ce qu'il devrait, dans quel contexte, dans quel environnement devrait pouvoir-t-il évoluer? Bien, alors, le contexte familial devrait être un contexte d'épanouissement, où le père, la mère mènent une vie d'harmonie s'il y a d'autres membres de la famille. Et quand l'enfant arrive, il faut que cet enfant soit bien accueilli, que l'enfant, même petit comme il est, sache que son arrivée est une source de bonheur. Et donc, tout ce que nous allons faire autour de lui, dans le langage, dans la manière de se parler les uns aux autres, tout cela constitue justement quelque chose que l'enfant va imiter lorsqu'il sera capable lui-même aussi d'agir. Maman Yao, j'ai bien envie de vous demander, à la suite de Maman Gla, est-ce que le contexte familial simplement est suffisant pour que l'enfant puisse imiter, comme maman le disait tout à l'heure, le comportement ou l'attitude des parents? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres conditions qui vont influencer l'attitude même de l'enfant? Merci. L'enfant évolue d'abord dans le cercle familial. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque l'enfant côtoie le voisinage et même l'enfant ira à l'école. Et tous ces lieux présenteront un visage. Mais lequel? Mais la bonne base, c'est la famille. Quand l'enfant vient d'un contexte où il est entouré d'amour, où on lui apprend pas à bas certaines choses, ça reste. Et donc même quand les autres viennent pour l'influencer, l'enfant a déjà un modèle qu'il peut copier et l'aider à faire son petit bout de chemin. Maintenant, quel est le rôle de l'Église, Maman Bonnie? Est-ce que ici, l'Église a un impact sur ce modèle que nous voulons donner à notre enfant? Oui, l'Église a un grand impact. C'est quoi le rôle de l'Église? Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous emmenons nos enfants à l'école de dimanche. Ah oui. Déjà ça, pour que déjà au niveau de l'école de dimanche, un travail soit fait, en plus du travail qui est fait à la maison. Donc, on peut dire ici que l'école de dimanche, la cellule familiale vont être un environnement dans lequel l'enfant va naviguer au fur et à mesure. Mais comment il arrive maintenant à capter le modèle idéal pour lui? Comment est-ce qu'il arrive à être cet imitateur de parents? Comment est-ce qu'il arrive? Parce que je pense que c'est dans un environnement où il y a beaucoup de choses en même temps. L'école, tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais non plus. À la maison également. Comment l'enfant arrive à s'en sortir? Oui, Maman Gla. Alors, c'est pour ça que je disais dès le départ que c'est une grande responsabilité. Et cette responsabilité, en tant que parent chrétien, le parent l'assume
en comptant sur le Seigneur, en œuvrant avec le Seigneur. Souvent, et ça, en le disant, je me regarde à moi-même, on veut tellement que l'enfant puisse tout de suite capter le modèle parfait, le modèle biblique, que quelquefois, on va peut-être un peu trop fort. Et au lieu que l'enfant vous voit justement comme modèle dans ce domaine-là, bon, l'enfant... Un peu comme un bourreau. Voilà. C'est comme si l'enfant commence à, voilà, prendre, à être plutôt freiné par ce modèle que peut-être... qu'on n'a pas toujours su présenter. Mm. Et c'est pourquoi, c'est vrai, hors antenne, Maman Bonnie disait quelque chose, et ce quelque chose fait vraiment partie des pensées que je voulais partager. C'est que quand on a un enfant, on se dit, c'est vrai, c'est notre responsabilité, mais on pense que c'est nous qui devons tout faire pour que l'enfant puisse... ressembler à ce rêve, ce rêve que nous-mêmes nous nous faisons déjà pour l'enfant. Exactement. Alors que ce n'est pas notre rêve qui doit pouvoir se mettre en œuvre, mais c'est le rêve du Seigneur que nous devons pouvoir amener l'enfant à saisir. Maman Bonnie, à quel moment l'enfant peut commencer à prendre ses marques? Bon, il y a une chose déjà qu'il faut comprendre. L'enfant évolue selon des stades. L'enfant n'apprend pas tout en même temps. D'accord. L'enfant apprend pas à pas. Il a différentes étapes qu'il doit gravir. Il doit gravir au fur et à mesure et il apprend. Sinon, on ne peut pas tout recevoir en même temps. D'accord. Déjà, au berceau, l'enfant observe les parents. Il voit comment la maman sourit. Une mère, par exemple, qui donne à téter à son enfant. Et la mère sourit, l'enfant apprend à sourire au travers du sourire de la maman. Ouais. Si donc la maman, les mamans sourient beaucoup. A le visage serré, on verra que le bébé va perdre espoir et un enfant qui aura du mal à sourire après. Donc il y a des choses qu'on inculque à l'enfant. Déjà, d'aucuns même disaient même que depuis le sein de la mère, il faut pouvoir. Justement. Donc au fur et à mesure que l'enfant évolue, il a des marques qu'il pose. Et mais comment le parent arrive avec, parce que ce n'est pas tous les parents, chers amis téléspectateurs, je suppose que c'est votre cas, on ne sait pas toujours quelle est la bonne étape pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Moi, à 6 ans, je dis à ma fille, il y a des choses que tu ne fais pas. Moi, on me dit, oh, mais elle est encore trop petite. Voyez, donc à quel moment pouvoir inculquer ces choses-là à nos enfants pour qu'ils soient de véritables modèles? C'est la raison pour laquelle il faut qu'on travaille sur nous-mêmes. Ne pas attendre que l'enfant naisse ou bien que l'enfant évolue pour vouloir lui inculquer quelque chose. Mais il faut pouvoir nous-mêmes travailler à ce que nous sommes. Parce que ce qu'on peut inculquer à l'enfant, notre façon d'être, notre comportement parle plus fort que ce que nous pouvons enseigner par nos propos. Donc dans la façon de se comporter, dans la façon de parler, dans la façon même de s'adresser à l'enfant. Donc tout cela, il faut qu'on travaille à cela nous-mêmes en tant que parents. Très bien. Alors, j'ai envie de dire maintenant, à quel moment est-ce que nous avons travaillé à nous-mêmes, nous avons diffusé ou fait voir à l'enfant de très bons modèles de nous, on a souri, on lui a montré du respect, mais à quel moment l'enfant change? Parce que l'enfant, on se réveille un matin et puis on dit « Ah, mais il a changé !» Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le déclencheur qui fait que cet enfant-là change d'attitude? Ou je dirais même peut-être se rebelle même parfois contre le modèle que le parent leur a inculqué. Maman Yao. Faut dire que souvent l'enfant cherche une identité. Comme maman sa propre identité sa peut-être. Sa propre identité. Il y a ce qu'on présente à l'enfant. Mais à un moment, l'enfant aussi a ses propres choix. Et donc quand ça arrive, cet enfant est capable de dire oui à la vérité qu'on lui présente. Cet enfant est capable de dire non à cette vérité. Mais toujours est-il qu'il cherche lui-même sa propre voie. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout imposer à un enfant. Il faut compter sur la grâce de Dieu pour qu'il se retrouve, qu'il sache ce que Dieu attend de lui. Et c'est pour ça qu'il faut vite lui présenter l'évangile, qu'il rencontre son Créateur et qu'il s'attache à lui pour savoir ce que ce Dieu-là veut pour lui sur la terre. Donc moi, j'ai envie de dire ici que l'école de dimanche même est très importante. Effectivement, et c'est important. Des choses qu'il ne faut pas négliger non plus. Pas du tout. Il faut donner pouvoir à cet, de donner la capacité à cet enfant-là de pouvoir suivre l'école de dimanche
Et ça tombe bien, je crois qu'on a une question qui va plutôt... Oui, c'est maman Glavazi. Alors, j'étais un peu tentée de réagir. Maman, vas-y. Vous savez, l'évolution même de l'enfant qui passe de cette étape du petit bébé et autres, mais il évolue vers ce qu'on appelle l'adolescence. Et ce sont des étapes souvent très difficiles et il faut savoir négocier justement ces passages-là. Parce que l'enfant, certainement de qui on attend, qui, ça c'est ça, il faut obéir aux parents. Et puis, à un moment, on dit l'enfant n'obéit pas. Il devient rebelle, il devient rebelle. Voilà, et c'est à ce moment-là que ça devient très dangereux si on n'a pas su justement gérer ce passage. Parce que le parent se sent frustré, le parent se sent blessé dans son orgueil. Et puis et bon, il veut... aussi, il commence à se sentir incompris. Justement. Et si le parent veut à tout prix s'imposer à ce moment-là, sans chercher à comprendre ce qui se passe aussi du côté de l'enfant, alors parfois, on peut carrément passer à côté. Mais comment on y arrive? Comment on arrive à comprendre son enfant, à comprendre ses changements, maman Bonnie? Comment on... Je veux dire, ce n'est pas toujours évident parce que le parent lui-même aussi, il peut être dans une certaine frayeur vu les réactions de l'enfant. Mais je t'ai tout montré, je t'ai tout dit, comment se fait-il? C'est la raison pour laquelle il faut comprendre qu'on a à composer avec le Seigneur. On a à composer avec Dieu, on a à composer avec le Saint-Esprit. Et en tant que chrétien, notre force vient de là-haut. Si nous voulons œuvrer seul, on échouera à coup sûr. Mais il faut pouvoir composer avec Dieu pour apprendre à connaître son enfant, pour apprendre à comprendre ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Tout à l'heure, on parlait de stade. Mmh. Un enfant de 2 ans, il a vécu un moment donné attaché à sa maman. À partir de 2-3 ans, l'enfant a besoin d'exprimer son autonomie, de montrer à maman qu'il peut manger seul, de montrer à maman qu'il peut évoluer seul. Donc déjà là, comme il cherche à s'affirmer, à affirmer son autonomie, donc il aura tendance à s'opposer à tout. Et en tant que parent, quand on ne comprend pas ça, il va dire non. Il dit non à tout. C'est ça. Verser la nourriture. Oui. Quand on ne comprend pas ça. Parfois, on en a même qui nous provoque même. Oui. D'accord. Donc, il y a ce âge. Et puis, je prends les préados. Le préado, en général, c'est un âge qui est l'âge le plus difficile. Parce que c'est quoi, les 8 ans ou 10, 11 ans, ans. À partir de cet âge-là, les enfants ont tendance à remettre tout en cause. Donc, l'éducation que surtout le que parent, la technologie n'aide pas. Justement. Le parent lui a déjà posé des bases. À l'école de dimanche, on lui a enseigné des vérités que peut-être la meilleure église, c'est l'église que tu fréquentes. Mm-hmm. Bon, le Dieu qui est, que tu adores, c'est le meilleur Dieu. Et l'enfant va à l'école, il découvre d'autres réalités. Il voit des camarades qui sont dans d'autres communautés. Il voit des camarades qui prient d'autres dieux. Automatiquement, dans la tête de l'enfant, il se pose des questions. Donc, il remet en question tout ce qu'on lui a appris. Et souvent, c'est à ce moment-là que bon, le parent constate que l'enfant il y a un changement. Est en train de changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il remet tout en cause. Et c'est normal. Ça fait partie de son évolution parce qu'il a besoin de réponses à des questions qui se posent. Donc, chers parents, quand on constate que nos enfants sont en train de changer, il ne faut pas s'affoler. Mais c'est de comprendre, d'accepter la situation. C'est d'accepter et surtout de discuter avec l'enfant. C'est de discuter avec l'enfant. Discuter avec l'enfant. C'est parfois. Mais parfois, on n'a pas le temps pour ça. C'est ça. Alors. Oui, maman, Claire, parfois, on n'a pas le temps. Oui. C'est aussi, parfois, à ce moment aussi, que le parent commet l'erreur de penser que c'est qu'il n'est pas un bon parent. Mm-hmm. C'est qu'il a échoué. Mm-hmm. Et cette attitude-là. Complique davantage la situation. Bon, on peut même solliciter le soutien d'autres personnes quand on pense que seul on n'arrive plus vraiment à maîtriser. Bon, les responsables spirituels au niveau de l'Église ou même des spécialités, évidemment, pas que oui, forcément. Mais les moniteurs aussi peuvent aider à ce moment-là. Okay, parce que Dieu, dans sa grâce, a pourvu, n'est-ce pas? En connaissance à certaines personnes qui sont mieux équipées. Mm-hmm. Si les choses sont en train de devenir trop compliquées, alors je pense qu'il ne faut même pas avoir honte de faire appel à ces personnes. C'est pas tabou, en fait. Ouais. C'est pas tabou de parler de la situation que vit son sinon, enfant. Sinon, se rejeter, la responsabilité est vite faite. C'est ta mère qui te montre pas les bonnes choses.
Il est devenu rebelle, cet enfant. Oui, on entend de tout ça dans nos maisons. Mais c'est vraiment de discuter avec l'enfant. Mais c'est surtout de porter cet enfant-là entre les mains du Seigneur. Ouais. Parce qu'il y a un travail de fond. Maman, Yao, vas-y. Je crois qu'il y a quelque chose que tu veux me dire. Oui, c'est surtout garder le calme. Le Seigneur nous dit que c'est dans le calme, le repos que se trouve notre salut. Et quand on est calme, on peut aller vers le Créateur qui nous a donné ses enfants, lui soumettre cet enfant qu'il connaît, cet enfant pour lequel il a une destinée. Mm-hmm. Et maman Gla l'a dit, qu'on ne se dise pas qu'on a échoué, qu'on a perdu. Qu'on ne culpabilise pas. Voilà, c'est un combat. Et la foi veut qu'on dise, Satan, tu n'auras pas cet enfant. Exact. Et c'est cette force qu'il faut avoir, pleurer devant le Seigneur, situer les responsabilités. Quand ça ne va pas, on a une part de responsabilité. Mmh. Venir devant le Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, chercher le secours auprès du Seigneur, mais aussi parler autour de soi. Autour de soi. Souvent, on a honte de dire que non, on est responsable d'église, on fait beaucoup de choses, et puis non, notre enfant est en train de prendre un autre chemin. Mmh. Mais il y a d'autres personnes qui ont vécu déjà des expériences qui peuvent nous aider. Très bien. Donc, c'est de parler autour de nous et dans la prière. Dieu va nous montrer un chemin. Un chemin. Yes. Dieu nous montre un chemin pour que nous, parents, nous soyons de véritables modèles pour nos enfants. Sans plus attendre, nous allons passer à notre rubrique, la question de l'internaute. Chers amis téléspectateurs, nous avons une question qui nous est venue d'une maman. J'ai un petit garçon de 3 ans et demi et je veille énormément sur ce qu'il dit et sur ce qu'il fait. Cependant, depuis quelque temps, j'observe que mon enfant profère des injures. Comment corriger cela? Maman Bonnie, comment corriger? Mon enfant commence à dire des injures. 3 ans et demi, c'est trop tôt, hein? Non, c'est pas trop tôt. Ah oui? En général, 3 ans, déjà, l'enfant commence à fréquenter la maternelle. Oui, oui, la toute petite section, oui. Sans oublier qu'il joue avec les camarades à côté. Donc, il peut prendre des choses à ce niveau-là. Et donc, quand l'enfant commence à faire ça, c'est de pouvoir toujours échanger avec l'enfant. Mais il a 3 ans. Est-ce qu'il arrive à comprendre? À 3 ans, s'il peut imiter dehors, c'est qu'il comprend certaines choses. Moi, j'ai vécu ça avec ma fille. D'accord. Elle est venue, elle a commencé à insulter. Je l'ai prise par la main, j'ai dit « Allons dans les toilettes. Mm-hmm. » Et quand on est arrivé, je lui ai dit « Bon, tous ces injures-là, crache-les. Crache-les dans le vide. » Dans la cuvette. Donc, elle a craché. Quand on est ressorti, je lui ai dit « Bon, tu as craché, on a tiré l'eau. Bon, c'est allé où ?» Elle dit « C'est parti avec les selles. » J'ai dit « Ok. Est-ce que ce qui est parti avec les selles, est-ce que tu peux remanger ça ?» Elle a dit « Non. Ah, » Donc, oui. Ce que tu as jeté là-bas, ne le reprends plus. C'est terminé. On ramasse plus ce qui est dans les... C'est un très bel exemple, ça. Oui, je crois que, chers téléspectateurs, chères mamans, j'espère qu'on va l'essayer également. Oui, c'est quand même des fois aussi de mettre l'enfant à l'épreuve aussi de ce qu'il fait. Oui, maman Yao. Mm-hmm. Je crois que maman Bonnie l'a si bien dit. On peut emmener l'enfant à partir de ce moment-là à choisir ce qui est bien, ce qui est mal. Et surtout qu'on n'en a pas l'habitude à la maison, c'est de lui dire, mais tu sais qu'ici, on ne fait pas ça. Tu as pris ça là où? Papa Jésus n'aime pas. Et puis toi-même, ça ne te fait pas de bien. Est-ce que quand on insulte quelqu'un, ou bien quand tes camarades t'insultent, ça te fait du bien? Mm-hmm. Quand l'enfant va réagir, il va aller se rendre compte. Aller par la comparaison. Voilà, que quand on lui dit une injure, ça le blesse. Donc quand il ressort aussi une injure, ça blesse quelqu'un d'autre. Donc avec ça aussi, cette arme-là, on peut redresser l'enfant. Avec beaucoup de délicatesse et de discussion, on y arrive. Mm. Maman de notre petit garçon, vous avez eu des astuces et des conseils pour pouvoir corriger cette action de votre enfant. Et nous passons maintenant à notre rubrique « Bon à savoir ». Nous venons d'échanger autour d'une question très importante, être un modèle pour son enfant. Ce qui ne signifie pas qu'on est un être parfait, un être sans défaut. Mais en comptant sur le Seigneur, on présente à l'enfant ce que le Seigneur attend de nous, d'abord en tant que parents, et pour que nous puissions le transmettre à nos enfants.
Et la question de l'internaute m'amène aussi à orienter la question de ce côté. Si la maman qui a posé la question est choquée, frustrée d'entendre son enfant sortir des injures, c'est pour dire que nous-mêmes ne devons pas nous permettre de dire des injures dans la maison. Pas forcément même à l'enfant, mais à la servante, à l'autre personne qui vit avec nous, parce que l'enfant écoute, l'enfant suit et l'enfant imite. Alors, comme la Bible le dit dans le livre de Proverbes 22, « Instruis l'enfant quand il est encore petit, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Et l'instruire, ce n'est pas forcément le dire, mais c'est faire. Alors, efforçons-nous nous-mêmes de travailler sur nos vies, dans notre intimité avec Dieu, pour pouvoir proposer ce que nous pouvons transmettre à nos enfants. Travaillons à nous-mêmes, soyons de véritables modèles pour nos enfants. Telle a été l'économie de nos échanges de ce jour. Je vais demander à Maman Bonnie de prier avec nous le Seigneur pour tous ces parents qui sont en détresse en ce moment à cause de l'éducation de leurs enfants, pour tous ces enfants également qui sont dans le désarroi parce qu'ils ne savent plus quel modèle choisir. Maman Bonnie, nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci. Les enfants sont une richesse. C'est toi qui donnes l'enfant et tu as un plan pour chaque enfant. Je prie pour toutes les mamans qui nous écoutent. Je prie que tu les touches, que toi-même tu les consoles, que toi-même tu leur apportes ta paix, ta tranquillité et surtout que tu leur donnes de s'appuyer sur toi. Parce que c'est avec toi que nous arrivons à construire, c'est avec toi que nous arrivons à investir dans la vie de nos enfants. C'est pour cela que, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin que toi-même, tu nous communiques ton cœur par rapport à ces différents enfants. Père, merci de pouvoir nous aider dans ce chemin, de pouvoir nous aider à pouvoir véritablement aimer nos enfants et à pouvoir être des modèles pour eux. Et surtout, de pouvoir enlever toute culpabilité et savoir que même lorsque nous nous trompons, tu es toujours là pour nous aider à rattraper. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Bonnie. Maman Yao, merci pour votre présence. Maman Gla, oui. C'est encore un plaisir pour moi. Chers téléspectateurs, ce fut un grand plaisir d'être avec vous ce soir et que Dieu vous garde.